C'est une partie qui paraît perdue d'avance. La première carte tirée envoie le joueur directement en prison. Moi, je suis incarcéré pour entrave à la saisine de la justice, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Dans la vraie vie, Arbi a aussi tiré quelques mauvaises cartes. Arrivé d'Albanie à 16 ans, sans parler un mot de français, il a été condamné à 7 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Pour moi, surtout, le plus dur, c'est le bruit des clés à 7 h du matin de l'ouverture de porte. Là, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur, en fait. Et j'aurais pris l'habitude de m'arriver à 6h30 tous les jours pour être préparé, et quand le survivant ouvre la porte à 7h, j'étais sur ma chaise. Pour dire, voilà, je suis debout. Dégradation, 7 jours au quartier disciplinaire, retraite 21 jours. Dans sa cellule, Arbi a beaucoup réfléchi à ce qu'il faisait endurer à ses proches, à ce qu'il voyait, ce qu'il vivait. Loin des images des séries télé, la prison est un monde rude auquel personne n'est préparé. Quand ils sont en collectif, ils font souvent un peu les caïds, un peu voilà, moi je m'en fiche, j'ai pas peur. Et puis donc moi je les vois en individuel et souvent il y en a qui se lâchent, qui se mettent même à pleurer, hein. Ça brise un homme. Sport, parloir, avocat, les cases racontent le quotidien de la détention. Et comme dans la réalité, le reste est ensuite affaire de hasard. Un mot de trop, une bagarre, ce sont des jours de détention qui tombent. Mais le hasard fait aussi parfois bien les choses. Quelques semaines après avoir quitté sa cellule, le jeu d'Arbi est commercialisé et aidera peut-être des jeunes à ne pas commettre ces erreurs. Si on pouvait aller les voir dans les quartiers et leur dire bah, « tu fais ton malin là, mais regarde, trafic de stupéfiants mon grand, paf, 10 ans, et comme Arbi, tu verras pas grandir tes gamins, bah, voilà. » Les délits et les crimes, bon, c'est pas moi qui va les arrêter, chacun fait ce qu'il veut. Si on peut sauver certains, c'est top. C'est le but de toute façon, c'est le but. Arbi ne sauvera peut-être pas le monde, mais il a promis d'essayer. Après tout, qui sait ? La vie est un drôle de jeu.